Ubuntu, l'extraordinaire voyage au pays du partage. Max l'explorateur parcourt les grandes forêts d'Afrique avec son équipe. Dans la jungle, il rencontre des animaux fantastiques avec des couleurs chatoyantes comme il n'en avait encore jamais vu qu'en photo. Mais une surprise bien plus grande les attend. Au milieu de cette végétation magnifique, une clairière abrite un joli village de huttes. Des enfants très souriants courent et s'agitent joyeusement autour de ces étrangers. La tribu ne possède pas grand-chose, mais tous les villageois ont l'air heureux d'accueillir l'équipe avec laquelle ils partagent de bon cœur leur maigre repas. Pendant que leurs parents font connaissance, les enfants ramassent des brindilles et des feuilles pour préparer des paillasses épaisses pour les visiteurs. Ça faisait longtemps que l'équipe n'avait pas aussi bien dormi, à la lueur d'un feu sur des couches confortables. Pour remercier les enfants, un explorateur propose « Et si on organisait une course entre les enfants du village, avec en trophée une corbeille de fruits délicieuse et variée ?» Ils retirent de leur réserve de provisions des mangues, des ananas, des papayes, mais aussi des fruits que les enfants n'ont jamais goûtés, des pommes, des poires, des noisettes. Max dispose la généreuse corbeille au pied d'un arbre. Et plus loin, il trace une ligne en grattant la terre de la pointe de son pied. Ensuite, il s'adresse aux enfants, intrigués par cet étonnant pas de danse. « Placez-vous tous derrière la ligne, puis, à mon signal, courez, courez le plus vite possible vers la corbeille. Le premier qui la touchera remportera tous les fruits. » Tous les enfants se rangent derrière la ligne. Mais les plus grands, au lieu de se mettre en avant, portent les plus petits. Lorsque Max donne le top départ, à son grand étonnement, ce n'est pas la cohue, mais une ligne d'enfants se donnant la main qui s'élance, sans se dépasser, vers le précieux butin. Les explorateurs sont surpris de voir petits et grands arriver en même temps auprès de l'arbre, pour partager et déguster des fruits en riant aux éclats. Quand Max demande au plus rapide, pourquoi ils n'ont pas profité de leur avantage pour gagner la coupe de fruits? Ils répondent « Ubuntu, comment peut-on être heureux si tous les autres sont tristes? Quand je partage, mon bonheur se multiplie !» Et le compte est bon.